et la revue de la semaine du 16 au 23 juillet. Situation sanitaire. La cellule de crise sous la tutelle du chef du gouvernement a pris le 17 juillet 2021, lors d'une réunion ayant eu lieu dans un hôpital à Hammamet, un certain nombre de mesures pour faire face à la pénurie d'oxygène dans les établissements de santé. Il a été décidé ce qui suit. Mettre tous les établissements de santé publics et privés à la disposition de l'État dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19, jusqu'au retour à l'approvisionnement normal en oxygène. Transférer immédiatement les patients des hôpitaux connaissant une pénurie aiguë d'oxygène vers des cliniques privées disposant d'un stock suffisant dans la même région ou dans les régions voisines. Mettre tout le stock disponible chez les fabricants d'oxygène à la disposition de tous les établissements de santé selon les besoins, sans se limiter aux prestataires conventionnés. Mettre en place les mécanismes nécessaires pour éviter une résurgence de cette crise en sécurisant les approvisionnements. Exploitation immédiate des générateurs d'oxygène arrivés il y a quelques jours et les installer dans les hôpitaux convenus. Meschichi annule les congés annuels des personnels de la santé. Le chef du gouvernement, qui était en ce premier jour de l'Aïd en visite d'inspection à l'hôpital Abdelrahman Memi de l'Ariana, a insisté sur la nécessité de conjuguer les efforts de tout le monde pour combattre ce fléau qu'est la pandémie de la COVID-19. Il a ajouté qu'il faudra plus de sacrifices, notamment de la part du personnel de la santé, pour pouvoir en venir à bout. Il a à ce sujet ordonné l'annulation de tous les congés annuels accordés au personnel de la santé, ajoutant que ceux qui refusent de faire la guerre à nos côtés peuvent rentrer chez eux, on n'en a pas besoin. De son côté, le syndicat des médecins, pharmaciens et médecins dentistes hospitaliers a refusé cette décision gouvernementale, estimant que le personnel du secteur de la santé est épuisé en raison de l'épidémie et des politiques gouvernementales inefficaces. Sfax, imposition d'un confinement général. Le gouvernorat de Sfax a décidé vendredi, à l'issue d'une réunion de la commission régionale de lutte contre les catastrophes, de décréter un confinement général du 21 au 25 juillet 2021. Sont concernées par cette mesure les 6 grandes délégations de Sfax, à savoir Sfax Ville, Sfax Ouest, Sfax Sud, Sakit Deir, Sakit Zit et Tina. Le couvre-feu entre 20h et 5h du matin, ainsi que la décision relative au bouclage de la région, demeure applicable jusqu'au 31 juillet, lit-on dans le communiqué du gouvernorat. Politique. Comme attendu depuis des semaines, le chef du gouvernement Hichem Chichi a procédé au limogeage du ministre de la Santé Fawzi Mehdi. Mohamed Trabelsi, l'actuel ministre des Affaires Sociales, a été chargé d'assurer l'intérim. Ce limogeage vient après la dernière décision de faire 2 jours de portes ouvertes pour la vaccination des plus de 18 ans sans aucune coordination avec les services du ministère de l'Intérieur. Toutefois, l'organisation iWatch a publié une correspondance prouvant que Hichem Chichi, en tant que ministre de l'Intérieur par intérim, était au courant des journées portes ouvertes pour la vaccination. Commentant la décision relative à son limogeage, l'ancien ministre de la Santé Fawzi Mehdi a déclaré dans un statut publié sur sa page officielle que, comme vous, j'ai appris la nouvelle par les médias après qu'un ami m'en ait alerté par téléphone. Mes 3 décennies de service militaire m'ont appris que toute mission a un début et une fin. Je ne dépose pas mon arme et ne quitte ma position sans en confier la garde à celui qui l'occupera après moi, lit-on dans le statut. J'ai travaillé au ministère de la Santé avec l'esprit du ministre, la morale du médecin et l'honneur du soldat. Et je ne me suis pas laissé emporter par la politique et ses vicissitudes, a-t-il ajouté. De même, Fawzi Mehdi a répondu aux récentes déclarations du chef du gouvernement Hichem Chichi dans lesquelles il a confirmé qu'il n'était pas au courant de la décision d'ouverture des centres de vaccination le jour de l'Eid al-Adha dans les diverses régions. En effet, Mehdi a confirmé dans un long post publié sur sa page le 22 juillet 2021 que le ministère de la Santé avait accordé un congé pendant les 2 jours de l'Eid aux professionnels de la santé et aux bénévoles dans les centres de vaccination. Mais sous la pression continue de la CASPA jusqu'à la veille de l'Eid, il a été décidé d'ouvrir des centres de vaccination. Commentant ce qui s'est passé le jour de l'Aïd, le président de la République, Raïs Saïd, a déclaré le 21 juillet que le but n'était pas que ces personnes se fassent vacciner, mais que la pandémie se propage davantage, a-t-il dit, rappelant que c'était le premier jour de l'Aïd al-Adha et qu'en général, les citoyens tunisiens, en cette période, sont trop occupés à faire la fête. Certaines parties ont fait appel à plusieurs personnes en même temps pour que les centres de vaccination dépassent leur capacité d'accueil maximale et pour que la situation vire au cauchemar, a affirmé le chef de l'État. Dorénavant, c'est la direction de la santé militaire qui va gérer la crise sanitaire et un nouveau régime juridique sera mis en place pour que cette dernière se charge de la distribution des dents en équipements médicaux, a-t-il ajouté. Poursuite judiciaire contre l'ancien ministre de la Santé.
le chef du gouvernement Hichem Mishishi a chargé la ministre de la Justice par intérim Hasna bin Slimane d'entamer une action judiciaire auprès du ministère public concernant l'ouverture aléatoire le jour de l'Eid al-Adha des centres de vaccination sans fournir les doses nécessaires pour la tranche d'âge indiquée et sans coordination avec les autorités sécuritaires. Le courant démocrate porte plainte contre Mishishi pour homicide involontaire. Dans un communiqué publié le 21 juillet, le parti du courant démocrate a annoncé sa décision de porter plainte contre le chef du gouvernement, Hichem Mishishi, pour manquement à ses obligations et pour homicide involontaire au sens des articles 143 et 217 du Code pénal. Les revendications du mouvement du 25 juillet. Le mouvement du 25 juillet a publié sur sa page officielle l'ensemble de ses revendications, à savoir la dissolution du Parlement et la fixation d'une date pour la tenue d'élections anticipées. La réduction du nombre des représentants parlementaires à 119 à raison d'un député pour 100 000 habitants élu par scrutin individuel sur deux tours et en respectant le principe de l'égalité verticale. La mise en place d'un comité de professeurs de droit constitutionnel pour éviter les erreurs qui découlent de la mauvaise rédaction de la Constitution de 2014. Attribuer au président de la République la compétence de dissoudre le Parlement. Garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire. Enlever l'immunité parlementaire aux députés accusés d'avoir commis des crimes n'entrant pas dans le cadre de leur travail parlementaire. Dissolution des partis ayant reçu des financements illégaux. Ouvrir une enquête sur les dons et prêts reçus par l'État tunisien depuis 2011. Poursuivre en justice les responsables de décès des citoyens par le coronavirus. Récupérer des indemnisations reçues dans le cadre de l'amnistie législative générale. Le tribunal militaire émet un second mandat d'amener à l'encontre du député Rachid Lahyari. L'avocat Yassine Arzeza a annoncé ce samedi à la presse que le tribunal militaire a émis un second mandat d'amener à l'égard du député Rachid Lahyari après que le premier mandat soit resté sans suite. Kais Saïd exclu du dialogue national. Selon des sources informées, le GTT aurait décidé d'exclure le président de la République Kais Saïd du dialogue national qu'elle cherche à organiser depuis plusieurs mois. L'organisation syndicale aurait pris cette décision après le rejet implicite de Kais Saïd de la dite initiative à maintes reprises. État de santé de Rachid Ghannouchi. Le président de la RP Rachid Ghannouchi a quitté le mercredi 21 juillet 2021 l'hôpital militaire après avoir reçu les soins nécessaires suite à son infection au Corona coronavirus. Le député Abdeltif Laaloui, infecté par le coronavirus, le chef du bureau politique de la coalition Al-Karama et député à l'ARP, Abdeltif Laaloui a annoncé dans un post publié sur sa page le 17 juillet 2021 qu'il a été infecté au coronavirus et ce après avoir effectué un test rapide. Société. Paiement des salaires. Mabrouk Khurshid met en garde contre le risque d'une catastrophe absolue. Dans une vidéo publiée sur sa page officielle, le député affilié au Bloc National Mabrouk Khurshid a mis en garde contre le risque d'un retard conséquent dans le paiement des salaires des mois de juillet et août 2021. Hôpital Charles Nicolle. Des cadavres entassés dans la morgue avec les poubelles. Commentant la vidéo choquante qui a été massivement partagée sur les réseaux sociaux. Le docteur Mansef Hamdoun, du service de médecine légale à l'hôpital Charles Nicolle, s'est exprimé sur la scène des cadavres entassés dans la morgue avec les poubelles. Hamdoun a fait savoir que près de 18 décès sont recensés chaque jour dans l'établissement de santé en question, expliquant dans le même cadre que la morgue dépasse sa capacité d'accueil maximale. En attendant le transport des cadavres par les agents de la municipalité, les corps des patients Covid-19 ont été placés dans la chambre dans des sacs spéciaux, a-t-il dit. Tout en précisant que l'hôpital achètera probablement un camion frigorifique. Benarous, saccage du service des urgences et agression de deux médecins. Le service des urgences de l'hôpital Elias Minet de Benarous a été le théâtre d'une agression du personnel médical suite à l'arrivée d'une patiente décédée et au moment d'en informer les accompagnants, ces derniers sont entrés dans un état de furie furieuse, en cassant les installations du service et en agressant le personnel soignant. L'un des accompagnants agressa physiquement un médecin, lui occasionnant des traumatismes au niveau de la tête et du dos. Un autre médecin a failli être écrasé volontairement par un autre membre de la famille de la défunte. Un policier, en faction devant le service, a lui aussi essuyé la colère de la famille et a été agressé à son tour. Monastir. Une mère tue son enfant de 11 ans. Une mère a avoué avoir tué son enfant de 11 ans car elle se trouvait en état de colère et d'hystérie suite aux agissements provoquants de la victime, indiquant que l'enfant souffre d'autisme.
économie. Les revenus du tourisme ont baissé de 25,3%. Les données monétaires et financières de la Banque centrale de Tunisie ont révélé que les recettes touristiques cumulées du début de l'année jusqu'au 10 juillet 2021 s'élèvent à environ 874 millions de dinars, soit une baisse de 25,3% par rapport à la même période en 2020. Nécrologie. Le comédien Kamel Ralmi est décédé ce mercredi 21 juillet 2021 après un long combat contre la maladie. De même, le comédien et cadre municipal Hamadi Rawar est décédé mardi 20 juillet 2021 des suites du Covid-19, a fait savoir la municipalité de l'Ariana. Que Dieu lui accorde sa miséricorde. Le chargé de communication auprès de l'ARP, Hassan Fathali, a annoncé dans un post publié sur sa page le 22 juillet 2021 que l'ancien député de l'Assemblée constituante, par ailleurs avocat, maître Mohamed Nizar Qasm, est décédé. Que Dieu lui accorde sa miséricorde. Spécial Eid al-Adha 2021. Une salle de classe réservée au baccalauréat des moutons. Un paysage surréaliste. Une salle de classe transformée en rahba de moutons. Mais où va-t-on exactement ? Monastir des moutons à louer. Un éleveur tunisien a publié une annonce de location de moutons. Le concept est relativement simple. La famille loue un mouton pour la somme de 100 dinars pour faire plaisir aux enfants et pour le montrer aux voisins. Jour de l'Eid al-Adha, le client fait semblant d'aller au boucher pour l'égorger et remet le mouton à son propriétaire. Le client paye le prix du mouton, 13 dinars le kilo, et il récupère la somme de 100 dinars lorsqu'il remet l'animal à son propriétaire. Sport. Alors que les Jeux Olympiques de Tokyo ont débuté, Tunisie Numérique fait le point sur les chances de médailles des athlètes tunisiens. Tennis, natation, taekwondo, escrime ou encore haltérophilie. Plusieurs sportifs peuvent espérer décrocher un podium. Voici les 10 athlètes tunisiens aux Jeux Olympiques. Tennis, Hans Jeber. La 23e mondiale au classement WTA pourrait faire un exploit, notamment après avoir remporté son premier titre à Birmingham. En dépit d'un tirage au sort un peu compliqué, l'enfant de Sara Hlel pourrait rêver d'une place sur le podium lors de sa 3e apparition aux Jeux Olympiques. Escrime. Inès Boubakri. Porte-drapeau de la Tunisie lors de la cérémonie d'ouverture tenue hier le 23 juillet 2021, l'athlète de 32 ans tentera à refaire son exploit à Rio de Janeiro en 2016 où elle a remporté la médaille de bronze. Boubakri a déjà déclaré qu'elle participera aux Olympiades de Tokyo pour s'offrir une nouvelle médaille. Lutte. Marwa Amri. Considérée comme l'une des meilleures joueuses sur le plan mondial, la lutteuse de 32 ans a déjà remporté la médaille de bronze des derniers Jeux Olympiques. Une médaille d'or est toujours possible pour Amri. Haltérophilie. Kerem Benhenia. Triple médaillée d'or dans la catégorie des moins de 73 kg au championnat d'Afrique 2019 au Caire, aux Jeux africains de 2019 à Rabat, ainsi qu'au championnat d'Afrique 2021 à Nairobi. Notre haltérophile pourrait pour sa part rafler une médaille à Tokyo. Natation. Ayoub Hafnaoui. Après Oussema Malouli, la Tunisie pourrait tenir à un nouveau nageur qui s'annonce plein d'avenir. Ayoub Hafnaoui, 18 ans, s'est illustré au championnat d'élite française en remportant l'épreuve de 400 mètres nage libre en réalisant un chrono fort prometteur de l'ordre de 3 minutes 50 secondes 22 centièmes. Il a devancé le vice-champion du monde, le français David Aubry. Il a été le premier athlète tunisien ayant décroché son billet pour les JO en réalisant le minima A de participation aux 800 mètres nage libre avec une 4e place. 7 minutes 49 secondes 9 centièmes lors des championnats du monde junior organisés en août 2019 dans la capitale hongroise Budapest. Ce jeune aura comme objectif de réaliser le meilleur résultat possible et acquérir l'expérience des grands rendez-vous sportifs internationaux en prévision des prochaines échéances dont les Olympiades de Paris en 2024. Escrime. Sarah Besbes. Avec 24 médailles d'or au championnat d'Afrique, sans compter ses exploits en Tunisie et en France. Besbes pourrait confirmer son talent aux Olympiades pour nous offrir sa première médaille olympique. Judo. Nihel Shikhruho. Battu en repêchage pour la médaille de bronze, plus de 78 kg, aux Jeux Olympiques d'été de 2016, la judokate laborieuse pourrait enfin arracher une première médaille aux JO après son palmarès fabuleux sur le plan continental. Taekwondo. Khalil Jendoubi.
Fraîchement médaillé d'or au dernier championnat d'Afrique, le jeune Tunisien a malmené tous ses adversaires dans la catégorie des moins de 45 kg. Il représente la relève du taekwondo au pays des aigles de Carthage. Âgé de 19 ans, Gendoubi est en constante progression. En 2018, il avait remporté une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de la jeunesse d'été à Buenos Aires, en Argentine. En 2019, il s'était distingué en s'adjugeant la médaille d'or aux Jeux Africains de Rabat au Maroc. Boxe. Khouloud Halimi. S'agissant de la boxe, les chances de podium pour Khouloud Halimi semblent grandes eu égard à l'optimisme affiché par son coach Fathi Missewi, le médaillé de bronze à Atlanta en 1996. Missewi déclare avoir confiance en les capacités de Halimi vu son sérieux et sa détermination à briller à Tokyo. Natation. Oussem Mallouli. Quant au champion olympique et du monde, le nageur Oussem Mallouli, qui fêtera cette année sa 6e participation d'affilée aux Olympiades. L'objectif est toujours le même, réaliser un podium lors de l'épreuve des 10 km de nage en eau libre. Merci pour votre attention. C'était la revue de la semaine, élaborée par l'équipe de Tunisie Numérique, présentée par Lania Ben Slimane. Pour plus d'actualités, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir des notifications. Ou encore, visitez notre site www.tunisienumérique.com ou nos pages Facebook et Instagram Tunisie Numérique. Passez un excellent week-end.